Alors là, je suis dans l'église des Célestins à Avignon et on prépare un spectacle qui s'appelle le Grand Bazar des Savoirs. Et il y a plein de petites tables comme ça où des passionnés vont parler de leur passion pendant 5 minutes. Les gens n'ont pas le droit de parler, ils doivent juste écouter ce que va raconter la personne pendant 5 minutes. Donc, moi je vais aussi participer, parler de ma passion, des proverbes et des citations, des contes philosophiques, entre autres. C'est une expérience très très sympa. Aujourd'hui, c'est rare d'écouter des gens pendant 5 minutes sans parler. Et c'est rare aussi de pouvoir s'exprimer pendant 5 minutes sans jamais être interrompu. Alors quand on commence, vous voyez, on va descendre la cloche pour créer une intimité. Il y a une personne qui s'assoit pour parler et 3 autres personnes qui vont les écouter. Et le cadre est très très sympa. Donc, moi aussi, je vais écouter d'autres personnes sur leur thématique. Voilà, on est à peu près 80 à parler d'une de nos passions ou d'un de nos domaines d'expertise. Alors, les thèmes, ça va être le Royaume-Uni, la tomate, la K-pop, l'actuariat, les contes philosophiques, les troubles du spectre autistique, la Formule 1. Voilà, mais là, personne ne sait de quoi va parler la personne. Ça fait partie de l'expérience. Bon, moi, comme j'ai déjà écouté beaucoup de personnes, je connais certains thèmes qui vont être évoqués, mais on ne sait pas de quoi les personnes vont parler. Et le cadre est exceptionnel. On va changer de table aussi, à chaque fois. Là, c'est l'entrée. On se prépare doucement pour le spectacle, parce que les gens vont bientôt entrer. Voilà, on descend la cloche comme ça, pour créer une sorte d'intimité. Voilà, encore une autre vue de l'église. Voilà, le spectacle va bientôt commencer. On a hâte. À plus. On est tous installés. Le spectacle va bientôt commencer. Dans 5 minutes, les spectateurs arrivent. Thank you.
Alors là, tout à l'heure, je vous ai montré l'ambiance du Grand Bazar des Savoirs dans l'église Saint-Célestin. Et là, on revient au cloître. C'est là qu'on vient pour se reposer après avoir parlé de notre passion à différents groupes. Mais je vous conseille cette expérience, c'est super à faire. Aussi bien en tant que passionné que en tant qu'écoutant. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un super moment.